vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est comme émotion que vous avez ici, d'être ici aujourd'hui? Mais on est vraiment honorés, puis on est vraiment contentes. Oui? Ouais. Parce que ça représente vraiment beaucoup pour nous, que l'acte soit reconnu, voilà. Vous êtes fière de votre père, j'imagine, hein? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tous ces gens-là aujourd'hui qui vous applaudissent? Est-ce que ça vous rend moins triste un peu, plus heureux? Bien, voir que beaucoup de personnes nous soutiennent, c'est sûr que ça nous rend choyés, puis on se sent chez nous. Aujourd'hui, vous avez reçu une médaille pour l'acte que vous avez accompli. J'aimerais ça savoir comment vous vous sentez de la reconnaissance comme ça. Je suis très honoré de la reconnaissance du gouvernement de Québec. En fait, c'est une reconnaissance officielle du gouvernement, mais ça nous fait plaisir aussi. Ça peut un petit peu donner des liens de fraternité plus avec la population. Puis, et ça encourage d'autres actes de bravoure. Puis ça fait une meilleure cohésion sociale. Oui. Si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez? Moi, personnellement, c'est pas pour me vanter, mais c'est dans ma nature. Je travaille en Amérique latine, puis j'ai eu beaucoup de scènes où il y avait des femmes en danger, puis j'allais les secourir. C'est dans mon habitude, en fait, d'essayer de donner secours à toute personne en cas de besoin, même s'il y a des petites choses, changer de la roue. Puis, c'est mon habitude, c'est ma nature comme ça.